تحية طيبة لكم أصدقائي المشاهدين من شبابيك ومن نور الشباب تيلي لوميير نورسات، نحييكم من جديد بصباح اليوم التالي للانفجار، انفجار المرفأ الرئيس الفرنسي في بيروت خلال ساعات. أول أيلول الرئيس الفرنسي مجددا في بيروت، والوفود الفرنسية لازالت تتوالى ولم تنقطع عن بيروت نظرا لهذه العلاقة الحميمة التي تربط فرنسا بلبنان. بهذا الإطار nous allons accueillir parmi nous bienvenue nos amis les Français. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, nous sommes français, fiers de l'être. Oui. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici. En tout cas, bonjour à tous nos amis libanais. Salam El Massir. En tout cas, c'est une joie d'être au Liban. Nous connaissons le Liban depuis des années et notre cœur vivre en même temps que les cèdres du Liban. Absolument, oui. Bienvenue, Madame Claire Dubuis. Marie-Claire Buis. Oui, bienvenue, Monsieur Saïd Ojibou. Saïd Ojibou, je suis pasteur. Vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Pasteur oui. D'origine marocaine. Hein. J'ai cette particularité. Oui. Anna Melchelfia Islamia ou Ahmed Biasou Al-Masih. Donc j'ai accepté le Christ maintenant il y a plus de 30 ans et je suis content d'avoir cette double culture en même temps. Vous êtes toujours en presse, en pression. C'est ma nature, oui. Je suis naturel. Mais souhaitons un jour avoir votre témoignage. On a déjà appris quelque chose lorsque nous étions à Paris ensemble. Ah oui, tout à fait. Oui. Espérons ça, mais est-ce qu'on peut avoir une idée à propos de votre visite pour le Liban, sous quel angle? Oui, ben écoutez, c'est très simple. Pour ma part, j'ai des amis au Liban et lorsqu'il y a eu l'explosion, oui. En fait, j'étais devant, comme beaucoup, devant ma télévision, je regardais aux infos, ça venait de se passer. Et je pleurais devant l'état, devant ce que je voyais. Je pleurais et je voyais défiler les visages amis. Et je me disais, mais qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi? Et puis j'ai envoyé des WhatsApp. Et de suite, j'ai eu des réponses. Alors ça m'a rassurée. Mais en même temps, il y avait dans mon cœur, il y avait cette tristesse. Je me disais, mais les enfants, les familles et les jeunes, voilà, même c'est les terrible. Vieux, tout le monde. Oui. C'est terrible. Et ce qui fait que, en fait, on s'est connecté avec nos amis. Il y a Saïd, il y a Carlos et d'autres aussi, puisqu'on travaille ensemble au sein de plusieurs associations, les uns les autres, mais notamment au sein de l'AIOEF, qui est l'Alliance internationale des œuvres et des églises dans la francophonie. Et on s'est dit, l'un des buts, justement les buts de cette association, c'est de rassembler les forces, pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi d'avoir des actes concrets sur le terrain. Et donc là, on a commencé à en parler, on s'est dit, mais il faut qu'on bouge. Et très vite, les choses se sont mises en place. Et on a programmé ce voyage avec une idée de venir en aide sur le terrain, là où on le pouvait. Alors bien sûr, l'aide, c'est une petite aide, on peut dire c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Mais qu'est-ce que serait l'océan sans cette goutte? Voilà, absolument. Parce que c'est ce qui fait l'océan, c'est le rassemblement de toutes les gouttes qui sont là. Et notre cœur, en fait, nous a poussés à agir et agir. Et voilà, le voyage a été programmé. On est là depuis mercredi soir. Et déjà hier, on a eu la possibilité d'aller sur plusieurs terrains, de visiter plusieurs associations et de voir quels sont les besoins, de voir comment intervenir. Déjà, pour nous, le but, c'est vraiment la première nécessité, les premières nécessités. La nourriture, l'hygiène, les médicaments, tout ce qui fait qu'il y a tellement de choses à faire et à dire. Oui. Monsieur Saïd, est-ce que vous avez, avant, vous pouvez nous donner une idée à propos de votre programme au Liban? Mercredi, jeudi, vendredi, alors, samedi. Peut-être si vous me permettez, je vais quand même rebondir sur votre première question parce qu'elle me touche. Oui. Ma fille Ambre, qui aime le Liban, m'envoie une vidéo avec un espèce de champignon qui pousse. Mmh. Nous avons vu, je dirais, cette explosion en direct depuis la France. Donc comment ne pas être en identification avec ce peuple extraordinaire qu'est Libanais? À ce moment-là, j'étais en catharsis, mes entrailles bouillonnaient. C'est ça. Le pauvre Liban est déjà miné, malheureusement, par cette corruption, fragilisé par la corruption.
On connaît la situation économique qui est désastreuse et cette explosion n'a fait que rajouter malheureusement la misère. Donc comment, excusez-moi, en tant que Français d'origine peut-être nord-africaine, d'origine de Français de souche, ne pas être en identification avec nos frères et sœurs ? Absolument. En tant que chrétien, c'est inadmissible. En tant que chrétien, nous devons avec force, avec amour, avec conviction, venir ici au Liban et donner le meilleur de nous-mêmes. Yeshua el-Messiah, le Christ lui-même a dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Souffrez avec ceux qui souffrent. Donc on ne se pose pas de questions pourquoi nous sommes là. Nous devons être là. Le peuple libanais doit être là. Le gouvernement français doit être là. La France doit être là. Et nous devons partager avec notre cœur, avec notre hymne. Parce que nous aimons ce pays et nous aimons le peuple libanais. Oui. Nous avons vu ce que vous venez de dire maintenant. Nous l'avons vu par la première visite, la première réaction, c'est le président français qui était après des heures là au Liban. L'image que j'ai, chère madame, sans vous couper, pardonnez-moi, c'est quand le président de la République française enlace cette dame-là, il a enlacé tout le Liban. Et nous, en tant que chrétiens, c'est un président qui a fait ça. Nous, en tant que chrétiens, avec le commandement biblique qui nous dit d'aimer notre prochain, il faut l'aimer en action. On s'est dit, on prend notre billet d'avion, on est plusieurs structures comme la IOIF, il y a la Credo, la Coordination des Chrétiens d'Orient, je collabore avec la Liga Orthodoxe. Donc, on a réuni des fonds et croyez-moi, chère madame, je voudrais juste vous dire, nous avons des Français. On est dans une période de pandémie, on est tous, même la France est dans une période de crise économique. Et je veux le dire aux auditeurs, j'ai une dame de 80 ans, Tmanine Am, qui gagne 680 euros par mois, elle a donné 300 euros. On a vu des petits dons de 20, 10, 30, 40 euros, des gens qui n'avaient pas de moyens, mais ils ont tout donné comme cette pauvre veuve au c'est temple devant Jésus. Solidarité avec le Liban, solidarité. On ne peut pas rester inerte, on ne peut pas rester, je dirais, sur notre canapé à regarder la télévision. Nous devons venir avec le cœur. Alors croyez-moi que nous avons bien sûr un programme chargé. Tout le peuple français a réagi. Sans distinction de race et de religion. Oui. Que peut-on dire à propos de votre visite, le but de cette visite, le programme que vous allez faire maintenant. Et vous avez le samedi, je pense, quelque chose. Bien sûr. Alors, notre programme est vraiment court, chère madame, parce qu'on va faire une analyse, une évaluation, un bilan de la situation que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons rencontré une organisation comme l'IFAGAP. Nous sommes allés, dans certains bureaux de petites associations. Nous, on ne va pas vers les grosses structures parce qu'on préfère aider les petits dispensaires, les petites structures qui ont peu de moyens. Et à partir de là, on fait une évaluation quantitative, qualitative, quels sont les réels besoins pour travailler à court, à moyen, mais à long terme. Le Liban, ce n'est pas une affaire d'un mois, chère madame. Le Liban, c'est une affaire d'années et d'années. Et j'ai foi, j'ai espérance dans cette belle diaspora libanaise. La diaspora libanaise dans le monde, la diaspora libanaise en France est en train de se mobiliser. Rafik Abou Fadel pleure, Jérôme pleure, Elie pleure. Les Libanais pleurent pour leur pays et ils sont en train de mobiliser. Je vous assure, chère madame, le docteur Abi Rached, il rassemble 8 tonnes de matériel. Il y en a qui rassemblent, je dirais, des milliers de tonnes de partout pour acheminer l'aide dans votre pays. Le programme, il est chargé. Du mercredi au dimanche, je n'ai pas une manite, je ne vais pas respirer. Je ne respirerai pas parce que le Liban a besoin et ses associations ont besoin. Mais bien sûr qu'on est structuré, on est organisé. On rencontre à peu près 3 à 4 associations par jour. Avec la circulation et l'incendie d'hier, je vous assure que j'étais comme une sardine. J'ai perdu 10 kilos, c'est un régime naturel. Mais nous sommes très heureux d'apporter cette aide-là. Effectivement, madame Guy vous dira qu'est-ce qui va se passer samedi, parce qu'on donne rendez-vous à tous les auditeurs samedi. Donc, ce n'est pas le support matériel maintenant et ce n'est pas la solidarité sur le niveau économique, matériel ou selon le niveau des besoins. Vous venez ici encore pour un support spirituel, moral. Vous pouvez nous donner une idée de ce support ? Bien sûr. Samedi soir, on a une réunion
à l'auditorium de, comment ça s'appelle déjà? L'ICA, à Rabwe. Oui, oui, c'est une place qui est qui réunit toutes les religions sur son nom, la rencontre. L'ICA. C'est ça, oui. L'ICA, c'est rencontre. Ça. Oui. Rencontre. Et justement, on veut vous inviter, pour tous ceux qui sont disponibles, à venir à cette rencontre, parce qu'on ne vient pas pour prier pour le Liban, mais on vient pour prier ensemble, pour, avec vous. On ne vient pas prier pour, mais avec vous. Et vous ça, avez, c'est important. Tu l'es, c'est France et le Liban en prière, n'est-ce oui, pas? Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui. France et Liban en prière. C'est très intéressant ce que madame lui dit. On n'est pas là pour prier pour les Libanais. Moi, j'ai besoin que les Libanais prient pour moi. Ana mahtaj salat. Voilà, moi, j'ai besoin. Vous êtes un peuple extraordinaire, chrétien. Moi, je n'ai pas des racines chrétiennes de 2000 ans. Vous, vous êtes mes exemples. Et j'ai besoin d'être béni par le Liban. J'ai besoin que le Libanais prie pour moi. Mais nous voulons surtout prier ensemble pour l'unité des croyants, l'unité des chrétiens dans un marasme social, dans une crise spirituelle telle qu'on la connaît. Les luttes fratricides, les querelles intestines ne servent à rien. Il y a, ma chère madame, un dénominateur commun. Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et il est celui qui réunit toute la chrétienté. Aujourd'hui, nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'arrêter de dire l'autre, ceci ou cela, les critiques dans le but de nuire ne servent à rien. Mais les critiques constructives pour qu'on puisse avancer ensemble pour la paix du pays, c'est là maintenant. On a besoin d'une nouvelle génération de chrétiens qui se lèvent et qui bénissent ce pays. Les Libanais ont des compétences, ils ont des dons, ils ont des talents et ce pays a besoin d'être reconstruit, mais avec l'aide de Yeshua al-Masih. C'est ça qui est important. On peut avoir une politique mystique avec des belles phrases. On peut avoir une politique laïque avec, je dirais, des belles choses, des belles phrases. Mais nous avons besoin des valeurs chrétiennes. Et le verset dans l'évangile, ça veut dire, en arabe, vous comprenez bien, bien l'arabe. Bien sûr. Sans Jésus, on ne peut pas construire. Tout à fait. C'est la construction, c'est banal, ça n'a pas de sens. Si on ne construit sur la Perse. Oui, oui, sur le roc. Le roc, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce qui me paraît important, c'est de réaliser, c'est que si on arrive à créer, faire monter une génération qui réalise qu'on a besoin, qu'ils ont besoin les uns des autres, et avec ça, avec ce dénominateur commun qui est Jésus, ça, c'est la richesse d'une nation. Et c'est ce qui va fortifier une nation et qui va la relever. Donc, à propos de samedi, qu'est-ce, oui, le programme de samedi, qu'est-ce que vous allez faire samedi à 8h à l'ICA? Eh bien, c'est très simple, on va intervenir les uns les autres. Et il va y avoir Saïd, il va y avoir Carlos Payan, moi-même, Marthe, Alberto, je crois aussi. Non, pas Alberto, pardon. Vous avez des Libanais encore qui vont être avec vous, partager bien cette, oui, cette bien soirée. Sûr, bien sûr. C'est une soirée spirituelle. Spirituelle, avec c'est plusieurs prêtres et pasteurs, bien sûr. Voilà. Il y aura plusieurs prêtres, les, il y aura plusieurs pasteurs. Les confessions de toutes les confessions. Nous avons un évêque qui sera présent. Nous aurons plusieurs croyants qui vont venir quasiment de tout Beyrouth. Malheureusement, comme on est en période de pandémie, on doit juste faire attention aux gestes barrières, etc. Mais on est vraiment heureux de pouvoir simplement passer un temps de reconnaissance à Dieu, un temps, oui, de louange à Dieu. Bien sûr, il y aura un groupe, je dirais, de chants. Il y aura aussi des partages sur la situation. Oui. Il y aura aussi des moments de silence. Il y aura aussi des moments où on pourra véritablement aussi s'exprimer et dire à Dieu, mais bénis ce pays. Barak Lubnan. On a besoin de la bénédiction sur ce pays. Mm. On a besoin de nous retrouver donc, ensemble. Mais vous allez être en... Si le public ou ceux qui partagent cette soirée sont une minorité, mais vous êtes ouvert à travers les moyens, oui, de communication sur Facebook, bien sûr, oui, tout le monde peut sûr, vous partager, prier avec vous. Bien sûr, marhaba bihoum, ahlan wa sahlan. Nous sommes très heureux, je dirais, s'il y a des, oui, confessions qui, je dirais, veulent se joindre à on nous pour voir le bien du Liban. Pour nous, c'est extraordinaire. C'est on va c'est voir si on peut être avec vous en direct. Ça vous sera êtes les bienvenus. Un plaisir avec, pour nous. Donc, à propos de cette, est-ce que vous avez visité les places de la catastrophe? Parce que je dis, est-ce que vous avez visité Beyrouth, Jemaïse, Saint-Michel, Marbreil, ou le port? Oui,
Eh bien, le port, justement, on y est passé au moment où il y avait l'incendie. Donc, finalement, on n'a pas pu vraiment s'arrêter sur la place, étant donné qu'il y a eu ce feu et qu'ils ont fermé la zone. Oui. Voilà. Mais on a quand même traversé certaines rues, traversé certaines places. On a pu voir l'étendue des dégâts. On a pu parler avec des personnes et voir le bâtiment où ils habitent, le lieu où ils travaillent, tout ça. Et oui, on a commencé à faire un petit peu le point de l'étendue des dégâts, oui, on a pu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le Liban se relève de ses cendres. Voilà, c'est et ça, on ça. Voit encore des stigmates, malheureusement, de la guerre du passé. Et quand je suis arrivé sur place, chère madame, c'était pour moi surréaliste, c'est apocalyptique. Et de voir encore, je dirais, le port dans cet état-là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand j'ai vu la déflagration des vitres, des portes, mais les Libanais ont tout perdu. Pardonnez-moi, des vêtements jusqu'à l'électroménager, ouais. C'est une véritable catastrophe. Hiroshima au Liban, qui l'aurait cru un quart d'heure avant? Et bien sûr qu'on a été sur place. On a vu ces gravats, on a vu ces graviers, on a vu ces habitants. On a vu, je me croyais dans un paysage lunaire. On est sur la lune ou quoi ici? Et ça touche, ça blesse, ça remue à l'intérieur. C'est pour ça que nous sommes là, pour prendre des images aussi en direct et faire un vrai bilan quand on va rentrer en France. Absolument. Pour encore plus sensibiliser les chrétiens, mais les politiques aussi. Ah. Vous venez de le dire, je viens de vous poser la question, soulager, consoler les autres, c'est bien. Mais il faut avoir des solutions, et des solutions de la racine, des solutions fondamentales pour ne pas répéter cette affaire, pour ne pas répéter ces images qui fait tout le monde souffrir, pas le Liban. Qui fait tout le monde souffrir. Vous travaillez avec le gouvernement français. Oui, en partie. Donc, je suis membre donc, de la coordination avez, des chrétiens. Vous avez, d'Orient. Vous pouvez, c'est la voix. Et oui, bien dire, sûr, avec force et conviction. Oui. Il est capable, hein, il n'y a pas de problème, il le fait. J'ai Patrick Karam, qui est le président du conseil régional, et avec qui nous avons fait un voyage maintenant, il y a 4 ou 5 ans, nous avons rencontré le président de la République, M. Aoun. Et nous avons fait part de certaines choses qui, pour nous, sont importantes et certains ingrédients qui sont essentiels pour le changement du pays. Et je crois qu'avec l'aide du gouvernement français aujourd'hui, c'est incommensurable ce qu'a fait le président Macron. Mais nous voulons véritablement que ça soit non seulement pas que des paroles, mais qu'il y ait vraiment, je dirais, une piste d'action et des objectifs qui soient mesurables, qui soient atteignables et en même temps avec une bonne coordination, sans que ça s'appelle de l'ingérence. Mais nous voulons travailler ensemble, avec le cœur. Et je pense que de la part des Français et de la part des politiques français, je peux vous dire que c'est que les réunions sont régulières aujourd'hui pour un changement, une transformation. Ce que je voudrais dire, c'est que les dissensions, les luttes fratricides, les querelles intestines, politique, tout ce qui a miné, tout ce qui a fragilisé le pays aujourd'hui, les faits mettent. Maintenant, il faut regarder le passé, il faut l'enterrer et il faut regarder devant parce que nous sommes aussi face à une nouvelle génération. Et là, il va y avoir un appauvrissement du Liban si on ne fait rien pour notre jeunesse. Chabab ont besoin véritablement, pas de paroles, mais de promesses, mais aussi d'actions sur le terrain concrète. Mais la plupart des jeunes, comme vous le connaissez pour le moment, il y a même en France, il n'y a pas de logement à cause des étudiants ou des jeunes qui ont quitté le Liban ou qui ont quitté plusieurs pays, mais surtout le Liban avec cette inflammation terrible, oui. terrible de quitter le pays. C'est grave. Oui. C'est très grave. Oui. Et c'est là où je dis, chère madame, là, c'est essentiel, c'est important, la solidarité. Quelle que soit, libanaise ou pas, elle joue et qu'on prenne en charge. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Mon ami Rafik Abou Fadel apprend qu'une jeune fille étudiante, à cause bien sûr de l'économie qui aujourd'hui est désastreuse, apprend que cette jeune fille ne peut plus prendre le loyer en charge de cette chambre. Qu'est-ce qu'il fait?
lui-même avec la communauté libanaise et particulièrement le calife, ils ont pris en charge le loyer de cette jeune fille. Il a aidé beaucoup de jeunes filles aussi à rentrer et d'étudiants à rentrer au Liban. Ils ont trouvé l'argent pour les billets d'avion. C'est la solidarité internationale, la solidarité du cœur qui doit jouer dans les moments-là. On doit être faible avec les faibles. On doit s'adapter par rapport à tous. Je dirais, les besoins, chère madame, sont tellement grands. Les besoins sont tellement immenses et le cœur doit être aussi immense quand il y a des situations qui sont critiques. Vous savez, on parle de problèmes. Non, il faut parler de solutions. Et des solutions, il y en a, et il faut être positif, il faut être énergique, et on peut construire, on peut bâtir. Parce que, très honnêtement, il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont des compétences, et il faut arrêter de penser à son ventre, et il faut qu'on y mette de notre cœur. Il y a des gens qui ont des moyens, il faut que ces gens-là, en France, la diaspora libanaise et autres, arrêtent de penser à leur ventre et qu'ils mettent de leur cœur. Ça, c'est essentiel, c'est important pour et au nom de la communauté libanaise. Par exemple, moi, je connais des filles qui étudient la médecine à Grenoble, de jeunes filles qui ont quitté le Liban récemment. Et ils ont, pour le moment, à l'hôtel, parce qu'ils n'ont pas, pas seulement un moyen de logement. Il n'y a pas un logement pour ces étudiants. Donc, la France va présenter une crise encore de l'habitat pour ces gens. Oui, on sait qu'il y a certaines situations qui sont particulières. Mais la France, aujourd'hui, bien sûr, elle n'est pas autant fragilisée qu'on le dit. Il y a quand même des moyens en France et nous devons, au cas par cas, faire remonter ces cas, bien sûr, au gouvernement, mais aussi après à toutes les associations qui fleurissent, qui sont rayonnantes sur toute la France. Et croyez-moi, chère madame, ce cas particulier que vous venez de citer, si vous donnez ce cas à Jérôme Jawad, qui est un des responsables du Calife à Paris, il sera tout de suite tellement touché par la situation de ces jeunes filles qu'on trouvera une solution financière. Peut-être que ce n'est pas financier. Le problème, c'est pas un problème de financement. Avec le maire. Peut-être c'est de guider, d'orienter ces gens, de leur dire où ils peuvent être. Il y a beaucoup d'associations et il y a beaucoup des initiatives en France, surtout, et dans l'Europe, l'Amérique, au niveau de diaspora même. Oui, et d'autres. Très riche. Mais, à votre avis, comment faut-il coordonner, collaborer pour avoir des résultats qui sont bien ciblés, qui peuvent résoudre c'est ce que je voudrais vous dire. Par exemple, il y aura dans le domaine, par exemple, des aides ou des aides médicales, beaucoup des aides, mais dans d'autres parts, il y aura beaucoup de manques, comme comment guider les gens, comment les aider, comment leur surmonter ces jeunes de l'état de leur cas moral. Beaucoup de problèmes, il faut donc, comme on dit, coordonner, partager, diviser les missions. Oui, on est conscient aujourd'hui qu'en France, la crise économique aussi qui frappe une partie de la population l'a fragilisée. Mais il y a toujours plus fragilisés que nous. Maintenant, au niveau de la coordination des besoins qui sont sur le terrain, beaucoup d'associations, de manière prosaïque, c'est vrai, travaillent, œuvrent, etc. Et il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique. À partir de cette volonté politique, sans dissension, sans tension, sans rivalité, arriver à réunir toute cette diaspora libanaise et tout ce collectif d'associations pour pouvoir avoir une vraie évaluation quantitative, qualitative des besoins dont le peuple libanais, dont la diaspora libanaise et particulièrement les étudiants ont besoin. À partir de là, il y aurait une caisse commune qui pourrait éventuellement, à travers des bourses, aider chaque étudiant et chaque besoin. Je crois à ça. Pourquoi ? Parce que la diaspora libanaise, non seulement il y a les moyens, il y a les compétences, mais la troisième chose, la diaspora libanaise a aussi du cœur. Et croyez-moi que votre message, puisqu'il est à la télévision en direct, est entendu aujourd'hui par des milliers, non seulement de Libanais et de Français. Et je m'y engage
en tant que membre de la coordination des chrétiens d'Orient. Je dois faire une analyse, un bilan des réels besoins, non seulement ici, mais on ne savait pas qu'il y avait aussi de grands besoins en France. Et donc, ceci, nous allons pouvoir l'unir et agir d'une manière concrète sur le terrain. On n'est pas là pour faire de promesses, mais on est là pour dire quand il y a un besoin, on y répondra avec nos compétences, avec nos moyens et avec le cœur. Madame Buy, je peux vous dire qu'elle est dans l'alimentaire, elle est dans le social, elle est dans le sanitaire, elle fait un énorme travail là. Elle a aussi beaucoup de compétences qu'on mettra en commun pour aider, je dirais, cette jeunesse qui est aujourd'hui peut-être en déshérence et livrée à elle-même au Liban, dont on ne connaît pas les noms. Oui, absolument. Comment vous aider, Madame Buy? Eh bien, nous, on est dans le cadre de la ville où on habite. On a monté une aide. Quelle ville? Agen. Agen, c'est une ville entre Bordeaux et Toulouse. C'est dans le sud-ouest de la France. Oui. Voilà. Et c'est une moyenne ville. Hein. Ce n'est pas une grande ville, c'est une moyenne ville. Mais on voit énormément de besoins maintenant faire surface. Et on a monté une aide alimentaire. Oui. Une aide alimentaire pour pouvoir subvenir de plus en plus à la population. Et on aide tout le monde, quel que soit, on ne regarde pas ni la confession, ni rien de tout ça. On aide tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. On ne regarde pas, on ne regarde rien, juste le besoin. Et c'est le chrétien. C'est ça. C'est le chrétien. Et c'est le Libanais encore, parce que le Liban reste toujours un exemple de convivre. C'est vrai. C'est ce qui ressort de ce qu'on connaît du Liban, ce côté convivial. Oui. Et c'est quelque chose. Par exemple, Caritas du Liban, qui est cette organisation de l'Église, elle aide beaucoup les musulmans que les chrétiens. C'est pas question. Elle s'en va vers le besoin. C'est ça. Pas vers la confession. Absolument. Mais nous. Tout le monde arrive dans nos locaux et on ne regarde pas. Et puis, on a beaucoup de femmes voilées qui arrivent. Je vais même vous dire mieux, elles rentrent. Et des fois, certaines, elles n'ont pas vraiment des besoins. Il y en a une qui nous a dit, mais j'aime bien venir là parce qu'on m'accueille, parce qu'on me parle, parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et nous, en tant que chrétiens, on n'est pas juste là pour parler de Jésus, mais pour délivrer ce message d'amour par des actes. Par des paroles, par des sourires, par un accueil. Accueillir l'autre, Jésus est venu là, pourquoi ? Pour accueillir l'autre. Hein ? Et c'est ce qu'on a mis sur place, en tout cas sur Agen. Je peux vous dire une chose, c'est que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent chez nous en nous disant « Mais il y a d'autres lieux où on peut aller ?» Mais on aime venir ici parce qu'on se sent bien. Espérons un jour vous visiter encore pour faire des petits reportages sur votre exemple ou sur vos... Vous êtes les bienvenus. Le temps passe vite. Oui. Le temps passe vite et vous êtes pressés par vos rendez-vous. Moi, j'espère que la prochaine fois, vous allez mettre sur votre programme l'interview avec Télé Lumière Norsat. Vous nous donnez pas plus. Vous serez prioritaire, chère madame. Avec plaisir. On ne sait pas. Est-ce que vous avez un peu encore du temps ou vous êtes pressé de boucler cette... Oui, on doit y aller parce qu'on a un rendez-vous avec l'archevêque. L'archevêque de Beyrouth. Donc, nous espérons vous rencontrer une prochaine fois. Vous allez saluer M. Carlos Payan. Avec plaisir. Devait être avec nous. Mais je désespère pas qu'il puisse venir un jour. Et puis, c'est l'organisateur de la grande conférence. Dernière minute, je voudrais voir un petit peu de votre foi en Jésus-Christ. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez partagé tout à l'heure sur le cœur et la générosité. Caïn et Abel se sont massacrés. Je regarde le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Hutus sont contre les Tutsis en Afrique. Quand on voit le conflit israélo-palestinien, même si c'est un sujet qui est délicat, on sait à quel point il y a des dissensions, il y a des tensions aujourd'hui, les communautés les unes contre les autres. Mais je connais quelqu'un qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses.
et qui m'invite comme un enfant, comme son fils. Je peux l'appeler Abba, je peux l'appeler Père. Ou Yeshua al-Masih, Riyar, Nour, Qalbi wa Hayati. Il a changé, transformé ma vie. Il m'a appris à aimer. Mahabbatullah aliyah wasa. Seul le Christ, depuis maintenant des millénaires, seul le Christ a dit « Aimez vos ennemis ». Quelle religion a dit ça? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous le maltraitent. Et quand je regarde le bilan aujourd'hui de tous ces siècles, seul le Christ a dit une chose, « Ani nur l'alam ». Je suis la lumière du monde. Et si vous venez à moi, vous serez éclairé. Donc ces tensions, ces dissensions, ces querelles, ces luttes intestines, fratricides, d'année en année, la religion, qu'a fait la religion? Parce que la religion, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui l'a inventé. Oui. Mais nous avons besoin d'une relation avec le Christ qui nous apprend à aimer tout homme de toute race et de toute condition. C'est pour ça que, chère madame, nous, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas la religion. Quand on regarde quelqu'un, c'est notre prochain. Et qui est mon prochain? C'est le reflet de moi-même. C'est comme ça que le Christ, Yeshua al-Masih, regardait les gens. Bel qalb. Avec le cœur. On va boucler cette interview avec vous, madame Marie-Claire. Oui. Moi, je suis passionnée, toujours passionnée, d'avoir ce témoignage de Saïd Ojibou. Oui, il faut l'écouter, il faut l'entendre. On n'a pas le temps, toujours, de s'empresser par notre ennemi, c'est le temps. qui court. Il faut l'aimer, le temps. Oui, il est quand même des fois... Vous, vous êtes d'origine chrétienne et vous avez rencontré le Seigneur depuis longtemps, n'est-ce pas? Alors non, moi je suis d'origine chrétienne, mais vous savez, on dit toujours, c'est pas parce que on rentre dans une église qu'on est chrétien. Il faut vivre quelque chose de très profond. Il faut vivre cette rencontre qui nous amène dans cette relation avec le Christ. Mais j'ai dû à un moment donné vivre une expérience et j'ai vécu une expérience qui m'a mis en relation avec le Seigneur, qui m'a donné d'avoir cette révélation de qui est Jésus, de ce qu'il était, ce qu'il avait fait pour l'humanité. Et à ce moment-là, je suis devenue chrétienne. Amine. Voilà. Avant, je ne l'étais pas. Je portais le nom, mais je ne l'étais pas. Amine. Et il a fallu que j'ai cette rencontre personnelle. Comme beaucoup de monde, oui. on est chrétien, on ne l'est pas. Non, il faut le devenir. On le devient. Oui. On ne naît pas chrétien, on le devient. Oui. C'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Parce qu'on a chacun besoin de vivre notre expérience, d'avoir cette révélation de qui est Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour chacun. Je vous remercie beaucoup. Merci, de Télé Lumière, de Nour Shabab, cette station pour les gens. Merci. J'apprécie beaucoup vos efforts on apprécie beaucoup vos efforts pour le Liban et surtout pour proclamer Jésus-Christ, pour proclamer le mot du Seigneur et la lumière, la lumière du monde. Amen. Merci beaucoup. Shukran. Merci à vous. تتكملوا أنتوا إياها هاللقاءات الشيقة والحلوة ونعرف في فقرة أجندة شو مستجدات على الساحة اللبنانية اليوم.